Et salut à tous, c'est Will, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Donc comme tu le vois, sûrement à la vidéo, tu vas voir que je suis plus hype parce que Vegeto SV c'est mon perso. Je surkiffe le perso. Donc tu l'as vu à la miniature, on va aller tester, on va aller jouer SV dans la méta actuelle, voir ce qu'il vaut. Il y avait cette team que j'ai sorti à un moment qui était très tanky. T'avais un très bon contrôle de la team avec. Donc on va faire 3 games, on va jouer ces 3 teams du coup, et on va voir comment on se balade dans le ladder actuel, si on a des difficultés ou pas. On va tester aussi Vegito dans cette team future du coup, avec Cell, Zamasu qui va profiter des 2 KZ Zenkai avec ses items, et Vegito qui sera dans la team qui va profiter de la KZ de tout le monde et la KZ Force de C21. Et dans cette team, du coup, fusion avec Zamasu en leader. Donc là, vu qu'on sera en team fusion, mais qu'on a Super Vegeta et Zamasu, donc on va perdre 5% de son passif, enfin 5%, 10% du coup, de son passif qui lui donne 30%, etc. Mais SV est tellement fort que il sera soutenu par une KZ Zenkai, donc en soi, c'est pas vraiment impactant. Donc là, tu vois, sur le banc, on a Gogeta 4 aussi qui va donner de la def un peu à tout le monde. SV, sa KZ Force, la KZ normale aussi de Vegeto Blue, qui va être profitable à toute la team. Donc là, je pense que ça va être de très belles games. Donc sans plus tarder, on part in game, let's go. Et pour cette game, on se retrouve face à une team famille de Goku. Donc ça va pas être facile, là. Donc là, on devrait avoir la strike quand même, normalement. Bon, parfait. Super, ça c'est good. Ça c'est good. Ah, je pensais qu'il allait mettre Gohan. Alors, la verte de Zamasu, c'est vrai que j'avais complètement oublié. C'est la verte la plus nulle de l'univers. Désolé, hein, pour ceux qui aiment Zamasu. Bref. Ah ouais, parce que là j'ai un peu de mal. Vegeto Ultra encore, hein. Vegeto Ultra, si vous avez vu la première game, Vegeto Ultra. Vegeto Ultra, pour moi ce perso, pas incroyable. C'est mon perso. Toshi l'a fait pour moi, je rigole. Bon, là, il nous a chopé dans le pas de côté, classe B, ça va faire mal. Bon, celle qui est pas en reste. Hein. Par contre, le gameplay... Et Zamasu... Bon, c'est des blasts. J'espère vraiment pas la perdre, parce que ça me ferait 2 game lose que je vous mets. Mais ah ouais, par contre au niveau des lags c'est méga compliqué là. Franchement le Gata il m'a surpris là sur Beast. Il m'a vraiment surpris le Beast. Enfin le Beast. Le Gata il s'est... Bon, on va perdre Gatai malheureusement. Mais qui a très bien. On perd pas Gatai. Qui a très bien tanké. Gatai, c'est pas ton showcase, même si j'étais censé le faire. On récupère du ki, on fait l'aspect, parfait. Il va mettre Beast. On va voir les dégâts sur Beast. Là, c'est un mix de showcase du coup. Zamasu, Vegeto Ultra. Ah, il est en train de me choquer. On ira regarder, il était combien le Beast. Ouais, ok, d'accord, je vois le délire du gameplay maintenant. Franchement, Nigo, perd pas de temps. On lui prend son ultra, son Jubai, pardon. Si on réussit le RR, bien entendu. On réussit pas le RR, contrer. Ça, c'est vraiment le genre de game que j'apprécie pas trop, perso. Je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais feeling avec la game. Ouais, très mauvais feeling. Ce qu'on va faire, c'est pas grave. Bon, bonne cover. Je comptais faire mourir Zamasu. C'est vraiment son showcase, Zamasu. Je suis choqué, mais...
J'ai refait la même erreur. Mais bon. Le misclic, il va peut-être mener à la victoire ou pas. Ouais, c'est bon, on prend Beast. Le misclic qui va nous débarrasser de Beast. Ça, c'est plutôt cool. C'est très cool même. Alors son ultra, son Jubai, je sais plus à combien de temps de transfo il était. Et un abandon, parce que la game était compliquée. On se retrouve pour la troisième game. Franchement, Vegito Ultra et Zamasu qui a fait une très belle perf. Let's go. Et pour cette première game, on part face à une team Métis, du coup. Donc, Gohan Beast 9 étoiles en face. Pan 8 et Mirai n'est que 7 étoiles de mémoire. Le roi. Ah, Vegito, quel perso. Non, je surkiffe le perso. Vegito Ultra. Sachant que j'avais une conversation, on m'a dit que Vegito Ultra était mort et tout, etc, etc. Voilà, Vegito Ultra. Alors, je sais pas si vous avez peut-être entendu le son. On va faire ça. On va carrément faire le RRD maintenant. Si vous avez peut-être entendu un son, c'est que je suis en train de monter une autre vidéo en même temps. Et voilà, on voit les excellents dégâts de Mecha Freezer. Carte très sous-estimée aussi. Franchement, cette team, c'est ma team. C'est l'une de mes teams préférées. Elle est super forte. Elle est super forte. Que dire? Et il a le temps de récupérer Pan. Là j'ai vraiment mal joué. Mais SV. Franchement, qu'on la perde ou pas cette game, je vais la laisser. Non mais les dégâts ils sont insane. Les dégâts ils sont juste. Je kiffe là. Je suis en méga kiff. Je suis en méga kiff. Et là on se dit peut-être que ça va mal tourner, mais non. Vous inquiétez pas. Faut savoir, lorsqu'on passe en dessous des... alors de mort, je sais plus si c'est les 50% ou 70%. On récupère nos PV. Voilà. Il a perdu une DB aussi. La mécanique de la team est super forte. C'est une mécanique de team qui est, que je trouve vraiment craquée, perso. Revive, il va encaisser. Voilà. Parce que j'avais retesté cette team lorsque... lorsque le trio avait ses boosts. Hein. Et c'était c'est très compliqué au niveau des dégâts, on prenait très cher. Et là, du fait qu'ils n'ont plus leur boost, du moins pour Pan et Gohan, hein, ça devient beaucoup plus facile. Beaucoup plus simple. Et Mecha Freezer qui tank bien le Gohan quand même, 9 étoiles en face. Hein. Après le passage des pivots et supports qu'il prend avec Pan et Mirai Gohan. La team encaisse super bien. Donc ouais, c'est un plaisir à voir là. Donc est-ce qu'il va gâcher son ultime ou pas? Non. Très malin, il garde pour Vegito. Il a raison. Il a totalement raison. Parfait. Nous, ce qui va se passer, on va nullifier le type directement. Et on y go. Hein. Oh, ça, je l'avais pas prévu. Ça, je l'ai clairement pas prévu. Voilà, on a pris cher sur l'aspect après passage de Pan. En logique, tu me diras. Il va faire un pas de côté normalement. Ouais. Non, franchement, la team. C'est vraiment ma team préférée. Hein. Je vais continuer à la jouer dans le futur, dans tous les cas. Je vais vraiment continuer à la jouer dans le futur parce qu'elle est juste incroyable. Bon, super, on arrive à prendre Pan. C'était vraiment l'élément le plus problématique de la team. Nous, ce qu'on va faire, on va switch sur Mecha. Parfait, Kikoa. Ah, alors, il devrait faire un pas de côté ou pas. Oui, il va strike direct. Parfait. On va lui mettre la pression un peu.
On va strike direct, parce qu'il allait strike, c'était sûr. Ah, la game était presque parfaite. La game était presque parfaite. Je suis deg. Bon. Alors là, l'idée, c'est de faire mourir Mecha. Maintenant, hein. Vraiment de faire mourir Mecha Freezer en espérant qu'il... Ah, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Parfait, on lui enlève. Il a utilisé une des cartes au moins. Bon, ça lui a fait utiliser des cartes. Non, même si on la perd, je vais la garder, puisque là, on voit le timer, hein, dans tous les cas. La game, ouais. Non, la team est vraiment bonne. La team est vraiment, vraiment bonne. Ah, Freezer, il est pas parti à temps. Zut. Mais en tout cas, la team, elle tourne super bien. La team, elle tourne super, super bien. Elle tourne vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, on perd la game, mais on le voit au timer. La team est très forte. Et franchement, c'est un plaisir de la jouer. Et encore, on n'a même pas utilisé, on n'a même pas profité de toutes les mécaniques de la team. Que ce soit l'anti-cover de végétaux lorsque tu fonces sur une strike, etc., etc. Donc, on se retrouve pour une prochaine game. Let's go. Et pour cette dernière game, on est parti du coup en team fusion. Avec Zamasu, hein, bien entendu. Donc là, VB. SV du coup. Donc là, avec cette team, on est parti avec SV. On aurait pu partir avec Gogeta 4, Vegeto Blue. Mais là, pour le match-up, je me suis dit, on va ressortir SV violet, ça fait longtemps. Et Zamasu qui va être profitable à la team, je le sens bien. On n'a pas eu le temps de récupérer. Super. La petite cover qui passe, la classe. SV, c'est... je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais SV, c'est SV. Qui tanque très très bien. Au cas où il nous lance le RR. Voilà. Je vais pas tenter. Même s'il aurait tanké, je pense. Je vais pas tenter de. Sur un malentendu, on va pas tenter de perdre. Bon, parfait. On contre. Mais je voulais pas tenter de perdre SV. C'est son showcase. C'est ma carte préférée. Tu ne meurs pas. Par contre, en face, il est déchaîné. Waouh, what? Pas s'il est déchaîné le... Ok. Après, il a pas mal de new moves. Il a des bonnes tempos. Ah oui. Ok, je comprends mieux. Non, ça passera pas. La strike, du coup. Et j'ai pas pu esquiver la strike. Le combat est super bizarre, là. Genre, vraiment. Il est vraiment bizarre, le combat. Déjà, les moves de l'adversaire sont super bizarres. Bon, on va faire ça, tant pis. Hein. Là, on utilise le main, déjà. Je voulais pas l'utiliser comme ça, mais bon. L'adversaire est bizarre, le... Le combat est super bizarre. Ça va, il nous reste quand même une anti-survie au chaos. Là, il va mettre Mirai, logique. Vous savez quoi, on va pas se priver. On va faire sauter une première barre de vie. Si on arrive au bout. Non, Végéto Ultra, franchement, il y a absolument rien à dire. La carte, elle est, pour moi, elle est intemporelle. C'est un peu comme Gogeta Ultra. Comme Gogeta Ultra actuellement. Gogeta Ultra, si tu build bien, il te roule encore sur tout. Végéto Ultra, Gogeta Ultra, pour moi, ce sont les deux ultras les plus... Parfait. Ce sont vraiment les deux ultras les plus... qui ont le mieux vieilli pour l'instant. Les plus polyvalents, les plus... ce que tu veux. Ouais, là, ça devient très bizarre... Ça, c'est parfait, on pourra faire ça. Ah non! Bon, je sais pas si ça va passer. Ah purée, avec les lags, ça passe pas du tout. Bon. Parfait, on prend Zamasu. Ouf! C'était compliqué là. C'était très très compliqué. Et on y go.
Donc ouais, comme je disais, franchement, Végéto, c'est incroyable. Végéto Ultra, c'est juste incroyable. Ok, j'aurais pu cover, mais... Derrière. Blast encore? Non. Bon, là j'ai mal joué du coup, je voulais faire une tape au tir. Et c'est une... Non, par contre il joue super bizarrement. Parfait. Un petit cover. Ça c'est vraiment toujours très fort avec Végéto, hein. Le fait que tu puisses strike directement et que ça te que t'as le contre, c'est vraiment fort ça. Je pensais qu'il allait nous sortir un troisième RR. J'allais dire là c'est vraiment problématique là. Bon, là on devrait avoir gagné. Est-ce qu'il va attaquer d'office? Et on s'impose du coup, combat très bizarre, combat très très bizarre. On se retrouve en outro de vidéo. Et on se retrouve en outro de vidéo, donc je vais... Alors, je vais vous dire un secret. De base, j'étais dans les 3 millièmes ou presque fin de 2 millièmes et quelques, 2900 centièmes ou 3 millièmes. Et toutes les places que j'ai perdues, c'était avec le showcase du Kaioken. Et toutes les classes que j'ai regagnées, du coup, les places que j'ai regagnées, c'était avec le showcase du Végéto. C'est vrai que le showcase du Kaioken, j'ai eu pas mal de mal à le faire, mais là, avec Végéto, on a plus ou moins roulé, ça a été très très vite, j'ai mis quoi, à peine 20 minutes, à peine une vingtaine de minutes à faire, bon, en fait, les 3 games, du coup. Je fais les 3 games à la suite. Végéto Ultra, franchement, pour moi, cette carte ne bouge pas, pour l'instant, elle ne bougera pas. En tout cas, à mon sens, cette carte-là va rester pendant très très longtemps. Après, je l'ai aussi 10 étoiles. Ce qui explique cela. À terme, j'aimerais bien qu'il revienne. Parce que la dernière fois qu'il était revenu, je stackais mes CC. Mais l'objectif, ça sera de le passer 14 étoiles. C'est mon ultra préféré. Franchement, pour ce qu'il propose, pour ce qu'il fait, la carte, elle est juste incroyable. En tout cas, j'espère vraiment que tu auras apprécié la vidéo, tu auras apprécié le showcase. Et nous, on se retrouve très, 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 très vite. Alors, tu verras la vidéo. Je pense que je la sortirai le lendemain. Donc, peut-être que sur Dokkan, il y aura déjà Gohan Beast et Piccolo. Donc, on partira sûrement en invocation. Et pour DBA Legend, on se retrouve mercredi, parce qu'il y a un Reveal and Stuff mardi, donc qui dit Reveal and Stuff mardi dit nouveau portail mercredi. Donc on se retrouvera en invocation pour le potentiel ultra, à savoir si ça sera Gohan SSJ2, des rumeurs disent que ça sera peut-être Hit aussi, donc on verra. Mais en tout cas, qui nous ponde un ultra aussi fort et puissant que Végéto, que SV ou Gogeta Ultra. Et on sera tous contents. En tout cas, j'espère que tu auras apprécié la vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à laisser ton pouce. N'hésite pas à t'abonner, surtout, c'est super important pour l'avancement de la chaîne. Sur Twitch, on a dépassé les 300 followers aussi. On est de plus en plus nombreux. C'est des très bons moments, donc je kiffe. Donc nous, on se retrouve très 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 bientôt. Sur ce, tchuss.